Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Farming Together. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de François Guillet, entrepreneur de travaux agricoles sur la commune de Foulogne. On va à sa rencontre parce qu'il a développé une activité un peu particulière suite à un événement peu anodin. Mais pour l'instant, je vous en dis pas plus. On va aller à sa rencontre, il va nous expliquer un peu tout ça. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Bienvenue Arthur. Merci. Bienvenue en Normandie. Merci de m'accueillir. On se trouve sur un chantier d'ensilage, une exploitation laitière et accompagnée d'une méta. D'accord. Un chantier de 70 hectares de maïs. Ok. La spécificité un peu là par chez nous, c'était les betteraves sucrières qu'on avait. Et puis une grosse activité traitement aussi qu'on fait que pour beaucoup d'entreprises font à côté. Quoi. D'accord. Et autrement, prestations de A à Z. Tous les chantiers complets. Tu m'as dit que tu possédais justement un épandeur à chaud. Pourquoi est-ce que tu as développé cette activité au sein de ton entreprise? J'ai développé l'activité chaud suite à une demande des clients qui voulaient qu'on fasse toutes leurs prestations de A à Z, de ce que les chauffeurs connaissent les parcelles, tout ça. Et aussi parce que suite à la fermeture de la sucrerie de Canning, on a perdu 700 hectares de betteraves la même année, donc un gros chiffre d'affaires. Et je voulais pas perdre mes chauffeurs, parce que j'avais une bonne équipe, donc j'ai voulu rebondir et retrouver de nouvelles activités. Donc la chaud en fait partie, et donc aujourd'hui on est parti sur une activité chaud que je t'invite à aller voir après, filmer le chantier. Bah avec plaisir. Merci de ton accueil François, et puis bah, bonne continuation. Merci Arthur. Maintenant, je m'en vais à la rencontre d'Olivier, le chauffeur de l'épandeur à chaud. Mais avant cela, je vous ai réservé une petite surprise. Je suis tombé sur un des ensembles que François possède à son ETA. C'est un tracteur mythique et je vous laisse avec ces quelques images. Bonjour Olivier. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, ça va. Bon, t'es dans une activité très spécifique ici? Ouais, du chaulage, une parcelle. Est-ce que tu peux me rappeler, nous rappeler en quoi ça consiste pour l'agriculteur? Quel est l'intérêt de chauler une parcelle? L'intérêt, c'est de maintenir les pH du sol le plus près possible du pH neutre, autour de 7, enfin un petit 7. Même là, par ici, on a beaucoup de terre acide, donc faut chauler régulièrement. D'accord. Okay. En général, ils mettent une tonne par an, quasiment.
Et donc là, vous épandez combien de tonnes à l'hectare Là, aujourd'hui, une tonne. Une tonne à l'hectare. Ouais. Pour le maintien, c'est minimum une tonne tous les deux ans. Autrement, quand c'est pour améliorer, remonter le pH, on a une tonne tous les ans. Parce que là, vous avez un épandeur, c'est pour épandre de la chaux humide C'est sec. De la chaux sec en poudre. Et autrement, on peut faire de la chaux humide avec. On replie les rampes et on épand au plateau. Qu'est-ce qui fait que les sols, ils s'acidifient d'une année sur l'autre? Ouais, je pense que là, on est en zone d'élevage. Donc, il y a beaucoup de vaches laitières par ici. Donc, le fumier, le lisier acidifie les terres. Ouais. Et nous, faut que l'exploitant, l'agriculteur arrive à maintenir ses pH autour du pH neutre pour avoir des bons rendements en récolte. D'accord. Mmh. Parce qu'il y a des secteurs où justement un peu plus au nord. Ouais, la plaine nord de Caen, a priori, ils chaulent très peu et naturellement le terrain est calcaire déjà d'avance, donc ouais. Le pH est proche de 7 certainement. D'accord. Donc par là-bas on chaule pas ou très peu. Voilà, cette vidéo s'achève. Je tenais avant tout à remercier François et Olivier pour leur accueil et je tenais aussi à souligner la façon dont François a eu de rebondir en développant son activité de chaulage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Farming Together.